Le groupe Attijari Wafa Bank s'enracine dans plus d'un siècle d'histoire. Depuis sa naissance en 1904, il a accompagné l'évolution du Maroc, puis du continent, affirmant sans cesse sa foi en l'avenir. Tirant son nom de la fusion en 2003 de la Banque commerciale du Maroc et de Wafa Bank, le groupe, avec l'appui de son actionnaire de référence Almada, est aujourd'hui leader au Maroc, dans la collecte de l'épargne, le financement de l'économie, le soutien à l'investissement, les activités de marché et l'assurance. Il continue plus que jamais de jouer un rôle majeur dans la modernisation du secteur financier à l'échelle nationale et régionale, notamment à travers son engagement dans les grands chantiers structurants qui contribuent au développement économique et social des pays. Présent dans 26 pays du monde, le groupe Attijari Wafa Bank emploie près de 20 000 collaborateurs. Ils sont au service de près de 10 millions de clients à travers un réseau de près de 4 000 agences, faisant aujourd'hui d'Attijari Wafa Bank le premier groupe financier d'Afrique du Nord et de l'Ouest et un acteur de référence en Afrique centrale. Le groupe couvre aujourd'hui l'ensemble des métiers bancaires et parabancaires et occupe une position de leader dans de nombreux secteurs de la banque de détail, de la banque de financement et d'investissement, de l'assurance et de l'assistance, des services financiers spécialisés et de la banque participative. En innovant sans cesse, le groupe Attijari Wafa Bank se donne pour mission l'amélioration des conditions de vie de ses clients et la bancarisation de populations jusque-là exclues du système bancaire traditionnel. Une innovation illustrée en 2018 par la création de Jibi, le premier porte-monnaie électronique du marché, et en 2015 par le lancement de l'Bankalik, première banque 100% mobile au Maroc. Une innovation également mise au service des petites et moyennes entreprises marocaines à l'aide de solutions de financement, d'assurance et d'accompagnement, telles Dar al-Mukawil, la première plateforme web de formation, d'information et de mise en relation dédiée aux très petites entreprises. Fort de ses expertises et de ses succès au Maroc, le groupe Attijari Wafa Bank déploie aujourd'hui son modèle de banque universelle en Afrique. Il contribue ainsi à la bancarisation et à l'accès au logement de ses populations, accompagne les grands projets d'infrastructure et favorise le développement économique des pays où il est implanté. À travers sa filiale européenne et ses bureaux de représentation, le groupe consolide sa relation avec la diaspora africaine et contribue au renforcement des relations économiques Nord-Sud-Sud. Avec la création du Club Afrique Développement, il affirme sa vocation de groupe panafricain au service de l'Afrique qui avance. Performance, innovation, éthique, servie par une forte culture du risque et un strict respect de la conformité, ont valu au groupe d'être récompensé à de nombreuses reprises par de prestigieuses institutions internationales. S'inscrivant dans les orientations stratégiques de son actionnaire de référence Almada, le groupe Attijari Wafa Bank a bâti sa démarche RSE en faveur du développement d'une économie durable, du respect de l'environnement, d'un comportement éthique envers ses collaborateurs et fournisseurs et d'un engagement fort auprès des communautés et de la société civile. Une démarche qui guide la politique de gestion des ressources humaines basée sur la formation, le développement personnel et professionnel, l'équité, la diversité, la couverture sociale et le bien-être au travail et contribue à l'épanouissement du capital humain du groupe. À travers sa fondation, le groupe contribue du préscolaire au cycle supérieur à la modernisation de l'éducation au Maroc, favorise l'égalité des chances, valorise l'excellence et encourage dès le plus jeune âge l'esprit d'entreprise. La fondation Attijari Wafa Bank est également très active dans la promotion de l'art et de la culture, tant auprès des étudiants que du grand public, mais aussi dans l'organisation de débats sur des thèmes économiques, sociétaux et culturels qui attirent un jeune public et font l'objet de publications. Aujourd'hui, le groupe se transforme dans un monde devenu digital pour réinventer sa relation client, ouvrant de nouvelles perspectives de création de valeurs partagées pour l'ensemble des parties prenantes. Une évolution qui renforce sa foi en l'avenir, en le potentiel de chacun, exprimé par sa signature institutionnelle, croire.